les Sœurs missionnaires de la Charité de Mère Teresa de Calcutta sont l'une des trois congrégations féminines présentes à Gaza. Elles aussi ont fait le choix de rester sur place, malgré les possibilités d'évacuation qui leur ont été proposées. Elles ont choisi de rester parmi les souffrants, comme elles le font toujours. À l'occasion de sa dernière visite pastorale à Gaza, à Noël, le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, avait visité la maison où les Sœurs de la Charité s'occupent d'enfants et de jeunes lourdement handicapés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, dit la Bible. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À cette occasion, le patriarche avait touché du doigt le travail que ses sœurs accomplissent, silencieusement, dans l'ombre. Aimant le Seigneur et marchant au milieu de son peuple, les sœurs de Mère Teresa, ici en Terre Sainte comme ailleurs, soignent les membres blessés de l'humanité, protègent les plus exposés et gardent le corps du Christ, même sous les bombes.